Bienvenue sur une nouvelle vidéo les gars, aujourd'hui garçon contre fille, donc on va faire plusieurs maps et regardez les gars, on a trouvé 32 abonnés pour participer, bon là il y en a un, il vient de quitter mais voilà, on commence sur la map Block Dash et les gars, nouveau concept, voilà, on va s'affronter les filles contre les garçons, donc il y a des chances qu'il y a un peu plus de garçons, on va voir, ah en fait j'ai mis laser les gars, j'ai raconté n'importe quoi. Ok, ils ont respecté les règles quasiment tous, donc regardez, les skins bleus c'est les garçons et les skins roses c'est les filles. Donc de base, il fallait mettre le skin de base, franchement c'est cool, quasiment tout le monde a respecté, ah par contre là il y a Gali, il m'a taclé, les gars on doit s'entraider entre garçons et filles. Alors là, je suis pas sûr que tout le monde a compris ça, je l'ai peut-être pas précisé mais ça me semblait logique, mais voilà les gars, j'espère vous aimez le concept. Oh là non les gars, j'ai marché dans le laser. Mais non, oh là là, trop dommage les gars, je suis mort à la première partie. Bon du coup je peux vite fait vous parler, comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous, commentez si vous avez quelque chose à dire. Et rejoignez le Discord qui est première ligne de description, c'est là-bas les gars que je fais gagner des Stumble Pass, que je parle avec vous et que je trouve les abonnés pour les concepts. Donc là c'est trop cool les gars, c'est la première fois que j'ai réussi avec le Discord à remplir une partie de 32 joueurs, donc voilà. C'est vraiment cool, ça veut dire que je peux vraiment faire maintenant n'importe quel concept. On est assez de joueurs sur le Discord, donc c'est trop cool. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On a encore plusieurs mecs, et là, il y a une fille encore. Allez, on va regarder la fille, est-ce qu'elle va gagner? On espère. En tout cas, là, ils sont en 2 contre 1. Bon, ils jouent contre... Ok, 1-0 pour les filles, les gars. je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Donc voilà, on va partir directement sur du Block Dash. Allez, cette fois, on part sur la map Block Dash. Donc j'ai aussi dit aux abonnés que, par exemple, entre gars, les gars, il faut qu'on s'entraide. Il faut pas qu'on se tue entre nous. Après, c'est possible que dans l'équipe des filles, il y a un ou deux traîtres des garçons qui sont allés les aider. Mais bon, c'est le jeu. S'ils veulent changer d'équipe, hein, maintenant, on peut changer de genre aussi. Donc on va pas critiquer ça. Bref, en tout cas, je vois que là, il y a quelques-uns, par exemple, Pierre avec un skin de fille, je suis pas sûr, mais bon, c'est pas grave, les gars. Et par contre, il y a le nouveau skin, là, je sais pas comment ils font, je pense qu'ils ont des modes menus, mais regardez, il a NK, là, il a le skin coup de poing de feu et tout ça. C'est assez stylé, je sais pas comment ils ont installé ça, mais bon, bref, de toute façon, c'est pas le concept. Pour l'instant, les gars, c'est 1-0 pour les filles, il faut qu'on se reprenne en main. Je pense qu'on va faire la première équipe à 3 points, aura gagné. Et pour l'instant, les gars, on n'est pas très bien parti, mais il faut changer ça. J'ai dit aussi aux gars, vraiment, ouais, il faut qu'on s'entraide et pas qu'on s'émote entre nous, parce qu'au début, c'était le bordel. Bon, ça l'est toujours un peu, mais bon. Hop, là, on lui envoie une émote à lui. Je sais pas dans quelle équipe il est, vu qu'il a pas mis le skin bleu ou rose. Ah ouais, mais il y en a plusieurs, ils ont les mots de coup de poing de feu, mais je crois qu'elle fait pas grand-chose, en vrai. Je crois que c'est juste... On voit juste le skin coup de poing de feu, mais c'est au final, ça revient au même que le coup de poing normal. Bon, aussi, on va essayer de survivre un peu plus longtemps, parce que bon, je suis un peu mort comme un nul au début. On va faire mieux maintenant. Ouh là, là, ça va être dangereux, les gars. Là, à mon avis, là, les gars, il y a 15 éliminés, on va passer à beaucoup plus. Il y en a sûrement plein qui sont morts. Mais bon, en tout cas, les gars, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est trop cool. On est 32 participants, donc là, on peut vraiment faire des gros concepts. Donc ça, c'est vraiment trop cool. D'ailleurs, les gars, prochainement, il faut que je mette des modos sur le serveur Discord, parce que pour l'instant, je le gère tout seul. Mais parfois, il y a un ou deux trucs, j'ai pas le temps de direct supprimer les messages ou des choses comme ça. Donc je vais gentiment, je pense, je vais créer... je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais créer un... Comment... Je sais pas, il faut que je recrute en tout cas quelques modos, parce que là, parfois tout seul, ça va pas trop, vu que je suis pas tout le long sur le serveur non plus, j'ai quelques trucs à faire. Mais bon, sinon ça se passe toujours super bien sur le serveur, en plus je fais gagner de plus en plus de Stumble Pass, et je mets à chaque fois l'épreuve, hein. Donc c'est pas juste je dis il a gagné, et en plus je peux pas tricher, parce que de toute façon c'est un bot qui choisit le gagnant du concours, et après je mets toujours les screens des conversations quand la personne a reçu son... Stumble Pass, donc voilà. Ok les gars, par contre déjà là je crois qu'on est pas mal de gars, je sais pas s'il reste des filles encore. Ok, il reste Thiago la fille, bah oui, c'est vrai que c'est un nom super féminin, donc il faut l'éclater les gars. Allez hop, on le chope. Oula, il se fait allumer. Ok, je pense que là, oh, non les gars on est mort. Me dites pas qu'il a réussi à passer. Ok non, les gars c'est bon, il reste plus que deux gars, on a gagné au moins une manche, 1-1. Donc égalité pour filles et garçons.
Et qui c'est qui a remporté la victoire des garçons? C'est HassanGH. Merci à toi et on passe à la prochaine manche. Cette fois, on se retrouve sur la map Rush Hour, donc la nouvelle map. À mon avis, les gars, ça va aller assez vite parce qu'en fait, cette map, elle est déjà très compliquée comme ça. Et si en plus, il y a les émotes, les gars, ça va être un bordel. Donc là, Mako, oh dommage, j'ai pas réussi à l'éclater. On va tenter un petit peu les émotes parce que le but, c'est quand même... Et voilà, une fille en moins. Enfin, la fille Thiago, mais bon, il est quand même dans l'équipe des filles, donc ça compte, les gars, sinon on serait un peu beaucoup trop de garçons à mon avis. Mais là, il faut pas qu'on se tue entre nous. Ok, bon, lui, il est tombé, bien fait pour lui, il a essayé de me tacler. Là, il faut pas qu'on se tue entre nous, donc j'espère que les autres, ils ont compris ça. Mais ouais, du coup, premier à 3 victoires, ils ont gagné, pour l'instant, c'est 1-1. Là, il me semble avoir pas mal de filles encore, donc il faut qu'on essaye de les tuer. Je vais utiliser un petit peu mes émotes. Ok, là, on va faire un carnage. Hop là. Elle a giclé. Et ouais. Donc voilà. Allez, on va faire le petit carnage là-bas. Hop. Hop là. Oh mince, j'ai raté. Oh mince. Oh là là. Oula, oula. Oh, c'était chaud, les gars. Oh, c'était chaud. Et là, le Pierre. Hop là. Oh mince, je l'ai raté. Ouh, il a raté aussi. Et Galil. Galil qui est arrivé, il l'a juste éclaté. Donc, est-ce qu'il reste encore? Ok, non. Je crois qu'on n'est plus que des garçons, les gars. On a fait un lavage de la map. Donc, c'est 2-1 pour nous. C'est nickel. Franchement, on les a éclatés. Et les gars, je suis en train d'y penser. Est-ce que pour la prochaine manche, je ne mettrai pas dans l'équipe des filles pour les soutenir un petit peu? Je pense qu'on va faire ça. Après, c'est pas dit qu'elles vont gagner. Est-ce que je serais pas limite un désavantage dans leur équipe? Comme ça, on met un peu de suspense. Et les gars, si vous voulez participer à des jeux comme ça, eh ben, il faut juste rejoindre le Discord. Je sais pas pourquoi ça m'a fait un double saut. Hop là, Galil. Bon, j'ai accéléré un peu la partie. J'avoue que de base, on est une équipe. Mais là, j'ai explosé Galil. Désolé à toi. Mais bon, on se retrouve pour la manche suivante. Salut les copines, donc maintenant je suis dans l'équipe des filles. Bon voilà, je vais pas faire cette voix tout le long, mais bref, les gars, je suis passé de l'autre côté, j'ai changé mon orientation, mon genre, et voilà les gars, c'est des choses qui sont possibles, et on va soutenir l'équipe des filles. Donc on est sur la map, comment elle s'appelle, nouveau Onei Drop je crois. Est-ce que c'était peut-être la meilleure map que j'ai choisie pour aider l'autre équipe? Peut-être pas, parce que ça serait quand même sympa de faire une finale où c'est égalité. Mais bon, là, les gars, ok, si on arrive à aller là-bas, il y a moyen qu'on gagne. Allez! Oh non, j'ai pas pu sauter! Oh non, j'espère que c'est une des filles qui va gagner. Là, tout le monde va tomber au même temps. Qui c'est qui va gagner? Ok, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que des gars. Donc, je crois que c'est les garçons qui ont remporté le jeu. Oh! Ethan Luffy, les gars, il a pas le skin, donc ça ne compte pas, ça reste 2-1. Il faut mettre le skin basique, fille ou garçon, avec la couleur de peau bleu ou rose. Donc, les gars, je suis désolé, cette manche n'est pas acceptée, on doit en refaire une. Allez, c'est toujours 2-1 pour les garçons, et cette fois, on part dans du bloc d'âge. Donc oui, avant, les gars, je n'ai pas accepté la manche parce que bah c'est pas le bon skin. Donc les gars, je vous ai prévenu, il fallait soit mettre le skin rose comme ça avec ce skin, ou le skin bleu avec l'autre skin basique. Et voilà, oula, les coups de pied, les gars, tout le monde utilise les coups de pied, c'était un bordel. Donc là, allez, il faut qu'on gagne cette manche avec l'équipe des filles. Donc j'ai l'impression on est un peu plus qu'avant. Est-ce que il n'aurait pas des, ils auraient fait un petit switch là? C'est ce que je me demande. Après aussi, il n'y a peut-être pas toujours les mêmes participants, parce que les gars, on arrive à des parties à 32 participants. Du coup, je pense que parfois, il y en a des, ils n'arrivent pas à rejoindre. Mais bon, je pense que ça, c'est vraiment la minorité, parce qu'on n'est pas beaucoup plus. Mais en tout cas, c'est trop cool, les gars. Je profite du petit moment pour vous dire de liker la vidéo, de vous abonner, activer la cloche, bref. Tout le tralala, partager la vidéo. Et nous, on va essayer de win. Pour l'instant, il y a encore quasiment tout le monde qui est vivant. Du coup, quand il n'y a pas de bot dans la partie, les gars, les éliminations, elles vont beaucoup plus lentement. Bon, lui, on sait pas avec qui il est, là, ce raton... Non, c'est pas un raton laveur, c'est un... Comment ça s'appelle, ce truc? Je sais plus, bref. De toute façon, on s'en fout. Pour l'instant, j'ai l'impression on est encore plus de rose que de bleu, donc on va voir ce que ça donne. Ok, je me suis fait tacler. Oh là là, mais c'est pas possible. Non, mais ils ont rien compris, là. Tous les skins roses, ils me tapent, quoi. Allez les gars, ok, je vais faire un carnage là, boum. Tout le monde utilise les coups de pied, les gars, c'est un bordel, je savais pas que tout le monde avait les émotes comme ça. Mais allez, c'est parti, pour l'instant, il n'y a que 11 éliminés, hein. Donc la partie, elle est très très serrée les gars, il faut qu'on continue comme ça. On va essayer de tuer peut-être ceux qui n'ont pas de skin, parce que bon, c'est un peu dommage s'ils gagnent, du coup c'est un point pour personne. Donc allez, on va essayer de focus là le petit chat.
Et il y a quoi encore comme skin? Ethan Luffy là, on va essayer de le choper. Ok, bon, je l'ai raté. Oula, faut que je me qualifie moi aussi les gars, vite. Ok, c'est bon, j'ai réussi à me boost. On est à 16 éliminés sur 17 éliminés. Oula, oula, tout le monde est mort les gars. 25 éliminés sur 31, ok, il nous reste quoi? On est 3 filles, 3 garçons et un skin, on sait pas ce que c'est. Bref. Allez, donc là les gars, c'est la finale. On a encore... Là qui en a Mehdi. Mehdi est ténor dans notre équipe de filles. Donc très féminin comme vous pouvez le voir. Allez vite, je me booste. Ok, je crois que... Ah non, j'ai cru que l'autre skin il était mort mais non. Après il y a Raoul les gars dans l'équipe d'en face. Pour ceux qui ont déjà vu un peu mes vidéos, Raoul c'est un très très bon joueur. Il a une chaîne YouTube aussi les gars, si vous voulez aller voir, vous tapez Raoul Stumblegaz, je pense que vous la trouvez. Voilà, petit coup de pouce gratuit. Ok, bon, on est en 2v2 là. On est avec Mehdi contre Galil et Raoul. Allez, on est dans la team des filles. Il faut qu'on les représente. Ça va être compliqué, les gars. Je vous le dis, ça va être compliqué. Mais bon, on va tenter tant qu'on est en 2v2. Pour l'instant, ça va. Ok, j'ai raté mon tacle. Ok, là, je pense que ça va être compliqué. Ok. Ok, let's go, je crois que j'ai envoyé Galil dans les lasers. Let's go, on est avec Mehdi contre Raoul pour l'équipe des filles. Donc allez, il faut qu'on l'explose. Oh non, oulala, ça sent mauvais les gars, je suis en finale contre Raoul. Ok, je représente les filles, il représente les garçons, on est en finale contre lui. Honnêtement, pour avoir fait déjà plusieurs finales contre lui, ça s'est souvent très mal passé pour moi. Donc je sais pas comment ça va se passer là. Après peut-être je me suis amélioré les gars, on sait pas. Mais en tout cas, c'est le duel parce que s'il gagne, c'est 2-1 pour les garçons. Et ben c'est terminé, les garçons ont gagné. Et on va tenter de faire une belle petite finale. Donc, ouh, ok, il saute carrément par-dessus mon coup de pied. Allez, surtout que lui, souvent, il fait des gros sauts, il envoie des gros punch. Donc ça, faut que je fasse très attention. Ok, bah moi, justement, j'arrive pas trop à faire ça. Allez, ok, là, il m'attend. Ok, non, c'est tout bon. Pour l'instant, les gars, ça se passe assez bien. Mais il faut que je fasse attention. Ouh là là, je l'ai vu venir, là. Je l'ai vu venir, vraiment, il m'a foncé dessus. Ok, là, il y a moyen de... Ok, non, j'ai raté, dommage. Vous voyez, si je lui mets une émote juste avant qu'il se fasse rebondir, ça peut vachement le ralentir. Ok, je lui ai envoyé. Oh, oh dommage les gars, franchement je pensais que ça allait être win. Oh non, il est mort en plus. Il est mort juste après les gars. Je suis tombé bêtement dans un laser, il est mort juste après. Oh là, bon. Bon bah c'est pas grave, à la base j'étais quand même dans la team des garçons. Donc 3-1 pour les garçons. GG à cette équipe. On pourra refaire ce concept, franchement je le trouvais vraiment cool. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un commentaire. Et moi je vous souhaite une très bonne journée, ciao.